Heureux ou bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Petit après-midi de direct décontraction. Vont mes pampans, la formule que j'aime bien en ce moment. Enfin, on va commencer par le pampan cette fois-ci. Je sais plus comment j'avais fait la fois précédente. On va faire du Far Cry 2. J'enchaînerai sur du Flatout 2. À mon avis, à 18h, je rends l'antenne. J'irai pas au-delà. Parce que j'ai pas mal de tâches ménagères qui m'incombent. Voilà quoi. J'ai vraiment plaisir à jouer, mais j'ai pas mal d'à côté à gérer en ce moment aussi. Et j'ai pris du retard. Donc, il n'y a rien de grave en soi. Mais c'est, on va dire, pour des questions de principe. Alors, j'ai normalement résolu mon pépin de sauvegarde sous Far Cry 2. Je vais pouvoir vous expliquer le comment du pourquoi. Bougez pas. Attendez voir que je me plante pas. Hop là, on va faire ça comme ça. Et retour au retard. J'avais laissé sur mon ordi, je croyais que j'avais fait le ménage, mais j'avais laissé un paquet de sauvegarde aussi de l'an 2019, je crois. Ça devait être 2019, les fichiers de sauvegarde. Du coup, j'avais atteint, et je ne savais pas qu'il y avait un quota maximum de sauvegarde dans Far Cry 2. J'ai atteint le nombre symbolique de 1300 emplacements de sauvegarde. Vous comprendrez que les sauvegardes rapides, comme les sauvegardes normales dans le menu, ne se faisaient plus. Alors, c'est pas parce que j'avais pas d'espace libre sur le disque dur, c'est juste que, il y a symboliquement, c'est pas annoncé, mais le jeu gère jusqu'à 1300 emplacements de sauvegarde. Donc, comme j'avais cumulé avec mon passif de 2019, où j'avais joué ma deuxième carrière en fait dans le jeu, et là je suis la troisième avec vous. Je vous rappelle que je vous laisserai le choix de la fin parce qu'il y a deux fins différentes. Il y a un aiguillage scénaristique à un moment à faire sur la toute fin pour le dénouement. Donc, si je me suis pas planté, je peux faire charger une partie. Il y en a qu'une seule, la plus récente, et je vais pouvoir reprendre, soulagé, en me disant qu'il me reste 1299 emplacements de sauvegarde libre. Ce qui nous suffira largement, puisqu'on est arrivé à la fin du scénario. Le jeu, presque. Mais. Merde, allons-y alors! Reste à Voilà, l'écran et j'étais si en pleine feu tu veux que en je feu de l'action te par parquer rapport. ça. Alors, ouais, je Ensuite, rembobine un peu, te charger! effectivement. Je refais des trucs, mais là, ce sera avec plaisir, ça me fera un échauffement. Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Tu fais attaquer? Qui c'est qu'on me. Ah, c'est lui. Ah, bah, il m'a eu. On va refaire la scène là, mais c'est rien. Il y en a pour 5 minutes et ça me remet en jambe, en selle, on va dire. C'est Wally bon, Wallou, vous on savez peut tout, et rien comme faire. par hasard, Regarde, le jeu est premier beaucoup plus attaquant. réactif. Ah, c'est horrible, comment je l'ai fusillé, le Quelqu'un mec. a qui a tiré? Oh, il a pas envie, lui. Vache. Non, je recharge ma partie, il y a tellement Qu'est-ce d'actions qui s'est qu'ils passé? sont pas Général, forcément qu'est-ce qu'on en fait, même ami? position. Ton avis? On se met à couvert! Descends-le, espèce d'abruti! Wouh! Allez, je bouge, je bouge. Alors moi j'avais peu de munitions, là j'étais quasiment à poil. Ça sent mauvais, il faut aller aider. Non, pas rentrer ici. Hop, j'échange. Comme cette hein, Dopage. Et va y avoir la riposte. Ah ouais, on se bat pour recherche. Il est pas mourir, connard. Oh là, j'ai mon poil. J'en peux plus de ce merdier. Merde. Regarde, Forcément, pistolet mitrailleur à 3 mètres. C'est un peu fatal. Mais je commence à reprendre le dessus. Ouh. merde, allons-y alors. Reste à ton compte. Recharge, tu couvre-moi. Veux... Ok. Mais pas facilement là. Vite. Oh. L'autre, il s'est mangé 10 balles, il arrive à se relever. Fortiche le mec. Ça sent mauvais. Par Il faut contre, aller sa aider. dépouille est loin. Non, pas Donc je ici, vais c'est la scène, m'exposer là. pour reprendre son arme, ça va pas être top. Voilà, là je me fais allumer. Encore que le mec il vise mal. Ah merde, il y arrive. Là, je suis mort. J'aurais dû tirer avant même de recharger. Bonjour Maneki, j'espère que tu vas bien. Ah, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas eu le plaisir de te voir. Merci à toi de passer. Contre qui se battent?
Je crois que j'ai vu 4 types. Garde-en donc ton flingue, j'en ai besoin. Ça va bien? Bon bah ça va bien moi aussi, hein, content, semaine de vacances pour moi, donc c'est pour ça que vous me voyez plus sur Twitch en ce moment. Je crois qu'il y a qu'un ennemi. Non, la seule ombre au tableau, c'est demain j'aurais dû faire une promenade avec mon copain Nayonet. On aurait dû vous filmer une promenade toute la journée, mais on va la reporter parce qu'ils annoncent de la flotte et des orages pour moi. Alors je serai pas pour autant sur Twitch, je garderai ma journée pour faire du ménage. Je me mettrai en retrait pour ma part. J'aurais dû recharger. Mais voilà, c'est la seule. Oui, alors, je serai toi, honnêtement, Torota. Les statistiques de Twitch, je m'en détacherai. Quand tu te lances dans l'expérience Twitch, tu t'en amuses les 3 premiers mois. Tu regardes en disant comment ça marche. Ah tiens, j'ai mes spectateurs qui viennent surtout d'Espagne et pas de France. À telle heure, c'est plus des mecs que des femmes et de telle tranche d'âge. T'en rigoles au début. Après, ça te passe sous le nez, t'es neutre, tu jettes un coup d'œil sans portée d'importance. Et au bout d'un an, crois-moi, tu regardes plus rien du tout. Si on te suit, si on te suit pas, l'essentiel c'est d'avoir du plaisir. Donc, le fait que t'aies perdu deux fidèles, faut pas s'en faire plus que ça, Torota. Bon, allez, je fais un sauvegarde rapide parce que. Les salopards! Ils ont fait le tour de la baraque. Oui, c'est bien. Tu le prends de manière légère, t'as détaché. Mais oui, non, mais c'est. Ah non, ça craint. Bon, bah, je vais reprendre la précédente sauvegarde. Ah, si, où je me fais assassiner dans le dos, ça la fout mal. Merde, on dirait que la sauce passe pas très bien. Je pense les avoir calmés. Alors, changer de flingue. Ça sent mauvais, il faut aller aider. Oui, non, le petit aussi, pourquoi pas. Et le gros me plaît beaucoup. Ça va déchirer. Oui, ça va déchirer, tu m'étonnes. Le foncer devant mode Terminator, ça marche pas. J'ai dû l'abandonner moi, Far Cry 2. Ah, ça t'accrochait pas? Il est clivant. Hein. Je reconnais que ce deuxième opus est clivant. C'est on aime ou on aime pas. Attention, je le vois là-bas. On se cale dans un coin et on se cale là. Oi, 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 oi. Pas bonne approche. Je l'aime bien, mais j'ai eu un souci de sauvegarde. Ah, toi aussi! Ouais, c'est chiant quand les sauvegardes bug. Bah, tu sauras que techniquement, tu peux faire que 1300 emplacements de sauvegarde sur PC. C'est 1300 et pas un plus. J'ai atteint le plafond dernièrement. C'est là que j'ai fait le ménage. Et c'est vrai que ça représentait, sachant qu'une sauvegarde fait environ 8 mégas. J'en avais pour l'équivalent d'un DVD, hein, 4 gigas de fichiers de sauvegarde. J'en peux plus te narguer. Attends, je me dote là. Qui a tiré? Je vais tirer dans les genoux. Toubib, allez chercher le Toubib. Eh ben non, il est mort. Vache, ils arrivent à tirer à travers le mur, ça me bouffe ça. Attends, le mec il est encore dehors, c'est pas possible. Ah, je le savais. Je le savais. Bon, je peux me repiquer parce que comme j'ai une trousse de pharmacie toute proche, pour moi ce sera tout bénef. Je peux y aller joyeusement. C'est pas le stock qui manquera. Non, je vais garder le fusil à pompe. C'est rare que je me batte au fusil à pompe, mais...
Alors, je ne vais pas recommencer en boucle le jeu si ça bug à chaque fois à un moment ou à un autre. Ouais, bah ouais. Tu m'étonnes que la frustration est grande. Je sais plus s'il y a des trucs en haut de la baraque. Le pire, c'est que j'ai fait ça il y a 2 jours. Je m'en souviens déjà plus. La mémoire effacée. Ah bah, finalement. Je peux revendiquer les petites pharmacies dans les pièces. Bon, j'aurais arrêté d'être accompli comme un gamin. Parce que je pense pas qu'ils soient en condition pour me flanquer une tannée en face à face. Je les ai un peu neutralisés, les Mickey. Un petit peu calmé les troupes. Donc l'autre trousse de pharmacie, elle était là, sur la table. Sachant que j'ai la grosse boîte en extérieur à revendiquer. Bouah. Mais pas besoin. Donc, prendre le diamant qui est là-bas. Je vois la mallette à côté de la distillerie. Se barrer en bagnole jusqu'au prochain point de contrôle. Et là, comparé au précédent épisode avant le bug de la sauvegarde, ça va être nouveau parce que reprendre le contrôle du... Attendez, je regarde s'ils ont pas des flingues qui m'intéressent. Si. Même le lance-flamme, j'y crois plus. Ah, ça, c'est un flingue à la Terminator, ça. J'avais pas fini, je commençais à peine l'assaut du point de contrôle. Attends, je sais plus où est la route. Oula, la végétation est trop... Ah mais merde. J'ai un peu trop braqué, c'est bon. Alors, tout à l'heure, je vais faire pareil dans Flat Out 2. Pareil. Attends, cet idiot ne m'a pas vu. Il m'a pris pour un des leurs. Ça va défourailler les gens, c'est moi qui vous le dis. Oh oh. Attends, il y a un truc bizarre. Il y a un tonneau qui se déplace tout seul. Mais ils sont juste là. Je vais pas me laisser flanquer, on tient la position. C'était surréaliste. Oui, à plus, Torota, merci d'être passé. Une bonne affaire à toi. Ah merde, mais... Pas mal comme assaut, c'était original et culotté, et ça a failli payer du premier coup. J'étais pas loin. Alors, vous l'aurez deviné, hein, je joue en mode de difficulté max. J'aime bien. Dans les Far Cry, j'adore le coup de une balle, un mort, ça déconne zéro, j'aime beaucoup. Ça contribue à l'immersion pour moi. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Tellement idiot de se planquer derrière le tonneau et de le faire bouger. J'ai entendu quelque chose. Je m'en occupe, il est quoi, hein? On va vérifier. Ah! Ils l'ont allumé tout seul, ces gros niveaux. Re, fan fan. Hey, mocha weer, a first class film at all. On va la raquer. Attends, il y a le mec qui tire dessus. Je garde en visuel. Mais non. On dirait que l'assaut se passe pas très bien. Oh, je sais pas viser avec ce truc. Ça, il y a un recul de fou. Ah merde, on a eu.
Alors je l'ai blessé, mais pas au point de le désarmer. Avec la végétation, ça se retourne contre moi, mais il faut que je reste accroupi, parce qu'un assaut devant... Enfin... Oui, devant rester un... Oui, je sais plus parler français. L'émotion, peut-être. Devant... Se doit de rester un... Bah lui-même, par contre. Rester un effet de surprise. Ah bah ça va changer, ça va faire une variante, c'est bien. Alors ça fait deux véhicules à réparer là du coup. Je vais pouvoir faire mon mécano joyeusement. Viennent pas me chercher. C'est con, on peut rien perdre ici. Qu'est-ce qu'il raconte ces nigos? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bande d'amateurs! Ah! Oh merde, je crois qu'il venait pour moi dedans, je suis déçu. Ah bien! Il a contourné, mais je vois pas. Recharge, couvre-moi! Très bien! Ah non, mais là, ils m'ont tenu en respect. Il est à nous. Allons-y. Je suis prêt. Soyez prêts, soyez prêts. Il y en a d'autres. L'autre, il a fait son Rambo. Ah, visiblement, il est urgent d'attendre. Hop, un petit cocktail Molotov sur la station service, ce sera drôle. Merde. Hop, petite grenade en cadeau. Oh! Ils ont du bol que le véhicule n'est pas pété. Bon, je vais bouger parce que le gars va forcément m'allumer. Ouais, j'aurais 4 véhicules au choix, dis donc. Je vais me décider au coloris là. Festival. Il est où le mec? Il est à l'intérieur? M'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah oui, il est pas dedans. Pas folle la guêpe. Mais il y a sûr il reste un mec. Ou alors il a pris la fuite. RAS, c'est volatilisé le gars. Sérieux? Bon. Tranquille. Ah, il manque une grenade. Je peux emporter une troisième. Si l'un des loustiques aurait l'obligeance de m'en céder une, j'apprécierais le geste. Ah, visiblement c'est pas le cas. Ces idiots faisaient pas dans les explosifs. Bon, pour des branquilles guignols qui gardent une station de service, c'est peut-être plus prudent. Ah... Ouais. Alors, la suite du programme, c'est quoi? Ah la vache.
Encore un poste de contrôle et un point de sauvegarde à libérer. Et il y a une histoire de pipeline. Oh, il va y avoir du diamant aussi. Bon, bah je reste fidèle à mon véhicule de base. En plus, il est camouflage. Il est de la couleur correspondante à mon environnement. Ça fait très professionnel tout ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, prochaine à droite. Ouais, je vais me barrer sur le... Il faudra que j'aille tout droit. Ok. Oula, la racine au sol, bonjour. Peut-être une patrouille mobile, non ? Wow, excellente dextérité du Mickey qui m'a descendu. Là, je pouvais pas y faire grand chose. D'ailleurs, je vais boire un coup. Oh la vache, ils m'ont déjà repéré les salopards. Oh là là, ils sont en train de me démonter la bagnole. Enfin, les bagnoles. Je les vois pas. Oh, toute cette action, j'adore. Mais il me démonte vraiment. Allez, un petit boom. Ils étaient derrière moi ou je me suis trompé? J'ai l'impression qu'ils m'allumaient dans le dos. Je sais pas si vous avez cette même impression. Non, je me serais fait avoir à revers. Par rapport à la carte, c'est surprenant. Ah, peut-être aurais-je négligé l'arrivée d'une patrouille, patrouille mobile au niveau du carrefour. C'est pas à exclure. Attends, et si je bifurque dans la jungle, ça va me faire suer. Ah oui, il y a trop de végétation. Là. Oh, magnifique. Ils m'ont abattu, mais alors... C'est pas la bonne approche. C'est pas la bonne approche. Je gamberge là, je suis en train de me dire est-ce que je peux faire une attaque maritime mais avec un navire, c'est pas mieux. Je suis tout autant exposé, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est pas une patrouille mobile qui m'aurait bloqué. Par hasard. Ou alors j'ai le QO d'arriver en trou, ça peut être drôle aussi. Ça peut faire son effet d'arriver à toute berzingue. Bonjour les gens. Prenez mon tapot les gens. J'ai même pas le temps de monter dans le dispositif, je me suis fait abattre. Bon, c'était à prévoir. Mmh.
Oh là 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 là! J'ai été rincé par un mur de balles. C'est même pas la peine. Si je me mets là. J'ai pas le temps de descendre du véhicule. Non, il faut vraiment que j'ai une autre approche. Ou alors je peux faire un peu Rambo. Ça va être très sport. Je me mets contre un arbre. Je descends, je m'accroupis. Et je balance une grenade. Ça, ça va pas les arranger. La face, y a une attaque. Ah, j'en ai eu un. Oh là 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 là, cette dextérité! Ils sont redoutables. Mais. Au début, c'était pas mal mon approche. Le rêve, c'est de faire des gros dégâts à la grenade. Alors, pour y parvenir. Il y a le pipeline. Là, je suis bien. C'était quoi ? Tu vois quelque chose ? Bonjour. La poisse, il y a eu une attaque ! On peut rien perdre ici ! Pas mal. Ah non! Ah, il y avait du renfort depuis la jungle. Merde. Alors ça, dans le scénario d'assaut, j'avais pas prévu un appui. Merde. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. C'était quoi? On dirait que la sauce passe pas très bien. Ouch. Là, ils m'ont traîné sur 50 mètres. Et il y a une partie, il y a un samedi matin, rappelez-vous, ça doit faire l'objet d'un clip normalement. Il y avait un Igo qui avait pris sa Jeep. Mais il s'était planté de lui-même dans des tonneaux explosifs. Ça fait un magnifique boom. Attention, on peut rien faire ici. Ils attaquent. Oula, doucement. Un peu brouillon, mais ça passe pour le moment. Bon bah j'ai gagné une mitrailleuse du coup. Avec leurs âneries. Non, je les ai tous eus. Non. Sérieux? La musique est redevenue peinard pépouze. Ah ouais. Ah, attends. Ah non, il y a encore du monde. Je me disais aussi. Ils sont où? Ah, ils sont là. Ah non, il est pas mort. Là, il est mort. Hein?
D'où il m'a tiré le mec? Attends, je... Ah oui, il m'a pris de revers. Ah, il est là, le salopard. Salopard. J'ai un tas des voix. Ah la vache. Non, non, ils m'ont contourné, les salopards. Ouais, j'ai plus besoin de me mettre à genoux. Attends, il y a un mec dans la jungle. C'est pas le même mec qui a fait le tour en courant aussi. Ah, peut-être. Vu la configuration. Non, non, j'ai eu le gars rebelle. Merde, il y a un véhicule qui arrive. Merde, ils m'ont eu. Ne pas sous-estimer leur dextérité. Ils savent viser. Ils sont pas bourrés, ils sont pas bigleux. Ça reste des mercenaires. Il n'en reste pas moins des mercenaires. Je crois que j'ai vu 4 types. Oui, bien sûr, je suis pour 4. Je suis trop flatté, mec. Hachi Bonanga. Laissez-vous envahir et envoûter par l'ambiance africaine. Ça sent mauvais. Merde, ils sont où ces idiots? Tiens, attrape! Oh merde! Oh merde! Je l'ai blessé, mais pareil, pas neutralisé. Ah, c'est pas possible! Ah, il me donne du fil à retordre, les salopards. Attends, je suis désobligé à bouger. Oula, attention, parce que j'ai une réserve. C'est bon, on peut rien faire ici. Oula. Il y a encore un mec, c'est obligé. On peut rien faire d'ici. Ah. Quelle merde. Ils sont peut-être même deux. Reste à savoir où ils se trouvent. Ah, pas de diamant. Oh, merde. Je suis on déception. Passe pas très bien. Je suis déception. Bon, la carlingue du bus pourrait me faire office de barrage. Mais je les vois pas. Ah si, ils sont là-bas. Tiens, attrape. Attention, tirez bien. Aucun panier est couvert. Merde. Une couverture, je dois charger. Faut dégager, bouge ton cul. Impossible. Il doit y en avoir plus. Quoi? T'as l'autre, il était même pas mort. Hallucinant. Je sais que j'ai du mal à maîtriser l'arme, mais faut pas déconner. S'ils viennent par là, je me tiens prêt. Encore? Mais ils sont trois en fait.
Ah, ça peut être sympa ça. S'ils viennent vers nous, on va les griller. Et contre qui ils se battent? Je bats. Attends, le mec était là-haut. Fais tes prières. Ah oui. Ah ouais. Merde, j'ai plus de balles. Ah. Chargeur vide. Ces nigos sont coincés entre les tuyaux de pipeline. C'est quand même fortiche. Alors cette configuration-là, je ne l'ai pas connue. Tiens. Oh là 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 là, ils me font bouffer du plomb les salauds. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Allez, où est-ce qu'il vient? Voilà, qu'il fasse plus suer. Et il y a les nigos au milieu du pipeline. Mais eux, je sais pas comment les déloger. Faudra que j'y aille à pied. Il n'y a pas une patrouille qui se pointe à un moment donné? Mais qui sont ces types? Ah. Je crois qu'il n'y a qu'un ennemi. Qui parle? Contre qui ils se battent? Je crois que j'ai vu 4 types. N'importe quoi. Ah bah. Magnifique. Comment qu'il m'accueille comme une fleur. Magnifique. J'ai pas de réponse à ça. C'était propre. C'était net. C'était... Cité qui nous y met par brise. Voilà, cet écrasement. Oh, j'ai roulé sur le pied. Il arrête la déconnade là. Il exagère. Alors. Allez, on avance. Je sauvegarde parce que je finis par en avoir un peu marre de faire la même scène. Je lui tire presque à bout portant à l'artillerie lourde. C'est pas un Terminator, le mec. J'ai bien vu qu'il s'est pris une balle en plein torse. Et l'autre, il continue de tirer comme si de rien n'était. Ils sont drogués, c'est pas possible. Ils ont les nerfs désactivés, les gars. Voilà. Oh, mortier. Non, sérieux. Oh, tu me tires en mortier. Hein. Qui c'est qui tire en mortier? Ah, il tire de là-bas. Le mec est sur l'île en face. Ah oui, c'est lui. Thank you.
Aurais-je abattu le mec qui tire au mortier? Je le vois bouger, mais je suis sûr de rien. Non, loupé. Oh vache. Ah, touché. Je crois que je l'ai buté. Il s'est écroulé sur la plage. Incroyable mais vrai, mais je l'ai maté le gars. Diamant? Même pas. Oh, quelle déception. Ah, il y a une patrouille qui s'est barrée. Bon, bah mes salves de balles sont pas assez généreuses. Pourtant j'ai fait mouche, hein. J'ai bien vu que j'avais touché le mec, mais bon. Tu vas mourir. Merde, on dirait que l'assaut se passe pas très bien. Tu m'étonnes. Ah! Les véhicules rangés, c'est rigolo. C'est rigolo comme d'où. C'est mignon. Bon, bah, je crois que j'ai gagné. Et pas de... Ah, oh, je suis déception. De me dire qu'il n'y a pas de... Qui s'est mis à tirer dessus? Ah, il y a pas le gars. Ah, là il s'est pris quand même. Des balles directement dans la tête. T'abuses, mec. Voilà, merci. Ah, peut-être arrêter la déconnade deux minutes. Allez, on y retourne. Alors, qui a des munitions compatibles avec mon flingue? Qui? Ah. Du coup, je regarde mon compteur de balles. S'il se met à jour, c'est bon signe. Je re-sauvegarde. Oh, une grenade! Merci du cadeau, ça m'en fait 3. Le cadeau est apprécié. J'avais la dépouille d'un mec ici que j'ai abattu, froidement. Ah bah, c'est lui. Non, il n'avait pas de munitions compatibles. Du coup, on va aller fouiller là. Alors là, c'est dommage parce que c'est le genre d'endroit qui mériterait d'avoir sa petite mallette de diamants. Mais non, il n'en est rien. C'est un hangar vierge. Il y a 3 bricoles. C'est bien, il y a des trousses de soins. Oh, il y a une patrouille. Vous avez vu le navire là-bas loin? Qu'est-ce que je fais? Je m'amuse à les exciter, ça peut être drôle. J'ai dit ça peut, hein. Ça va pas forcément l'être. Attends, mettre le navire dans le bon sens. Voilà. Oh. Venez me voir, les copains. Ils réagissent pas, ces nigos. Je suis déçu. Ah, ils sont déjà plus morts que vifs, les gars. Allez. On va reprendre une bagnole et on va se barrer d'ici. Rien d'autre, à part des explosifs, évidemment.
Évidemment. Ouais, mais si je m'amuse à faire sauter les trois véhicules, j'aurai plus de moyens de locomotion, mais ça fera un joli boom. Oh, puis l'armurerie est pas à côté. L'armurerie est pas à côté. Et pourtant, il va falloir y aller. Aji monanga, aji nona, ponani nani. Alléluia, caché ponani nani. Comment ça, véhicule abandonné? Alors, c'est rarissime qu'une patrouille abandonne son véhicule. Et attends voir, c'est pas le gros modèle de. C'est un sacré pistolet, dis donc. Moi j'ai une mitrailleuse de base, mais alors eux, je sais pas ce que c'est. Oh, je connais pas ce modèle là. Vas-y voir que j'essaye. D'accord. Original. Vraiment. Ah, puis je suis tout proche de l'endroit à réquisitionner. Et du coup, j'ai dû les alerter, ces abrutis. Oh, oh, c'est arrivé. Renversant. Ah, excellent. Le dérapage, le mec. Ah bah tiens. Le suivant. Un 9 mm fait l'affaire. Merde! Putain, un flingue qui fonctionne pas. Voilà. Mais oh! Il va bouffer du plomb, oui! Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, mais en même temps, je suis plus assez prêt. À pompe, il répond présent. Le 9 mm, évidemment, il est complètement pété. Ah, quelle idée d'envoyer son arme, hein, je vous le demande, moi. Ah, c'était drôle comme cascade, j'ai bien aimé. En une fois de plus, j'ai l'embarras du choix pour les bagnoles. Ça fait plaisir. La 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 la. Donc, j'ai déverrouillé la planque, me dit le jeu, la planque qui est en face. Il y a une antenne relais juste à côté. C'est dommage que j'ai plus accès aux missions. Je les aime bien, moi, les missions antenne relais. Ça me plaisait bien. Oh, ils sont chiants. Oh, diamant. Ah, ils ont débarqué et ils m'ont buté. Bravo. Ce sont des malins. Ils ont le démon de la guerre en eux. Ça parle mal. Mais l'ambiance, elle est là. Et j'apprécie beaucoup. Attends. Un coeur qui m'attend à quai. Wouh! Oh non. Ça mériterait que je leur envoie une grenade. Ce serait drôle. J'essaye. T'adresses au pilote de l'embarcation. Tiens, attrape. Attends, ils sont du côté là-bas. Oh! Oh là 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 là! En fait, ils sont complètement alertes. S'ils ont entendu le grabuge avec les bagnoles. Ça fera un beau clip. Le coup de la patrouille qui se renverse, c'était drôle quand même. Ça, j'ai pas souvenir de l'avoir vécu dans le jeu, donc c'est bien.
Putain, j'arrive même pas à voir où l'embarcation. Ah, ils sont là-bas. Merde! Même à couvert du palmier, ils arrivent à me dégommer plus que moi. Vous voyez, hein, l'avantage d'être un sniper. Et après la revendication de ce point de contrôle là, je vous promets que je mission armerie, que je me remette à neuf parce que je galère un peu trop là. On va pas se voiler la face. Je galère. Ça va pas. Ouais, très bien. Très très bien. Le plus facile, ce serait le lance-roquette, mais j'en ai pas. Pas encore. Ça viendra. Mais... Oh la vache, les salopards. Vas-y voir la grenade. Oh, j'ai dû les arroser. Le gars, il se lève de son poste de conduite, il m'abat, mais avec une classe. Si seulement j'arrivais à lancer ma grenade dans leur embarcation, ce serait d'un drôle. J'ai pas passé loin, je ne désespère pas. À faire un panier, on va appeler ça comme chat. Ça me démange. Ça me démange. Voilà. Là, je les ai eus, les salopards. C'est bon, un peu comme Duke Nukem, il y a mon ego qui a été resatisfait. Ah. Il est temps de mourir, connard. Ah tiens, j'ai de la résistance là-bas au loin. Je me suis fait repérer. Ils sont où? Il faut aller aider. Non, pour rester ici. Tu m'étonnes. Aïe, 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 aïe. Ah, la flore locale qui peut s'avérer préjudiciable. Il faut savoir jouer avec. Non, j'ai pas sauvegardé après la grenade. J'ai osé. Bon. Ah oui, en face, il me voit en face. Dur. Alors, si j'arrive à les sniper avec une arme lourde comme celle-ci à la Terminator, je vous dis pas la classe. Et je crois honnêtement que j'en ai touché un à l'épaule. Bizarre. Non, non, tu vas pas t'incastrer dans le décor, mon grand. Ça bouge encore ou... De toute façon, je peux aller dans la flotte. Je vais aller chercher les diamants. Je me dis qu'honnêtement, cet opus, il y aurait eu des crocos dans la flotte. Ça aurait rajouté du piment, mais quelque chose de bien. Et je regrette qu'il n'y ait pas les... Vous vous souvenez que c'est à partir du troisième opus qu'ils ont rajouté en masse les animaux. Non, j'ai eu les deux mecs, je le crois pas. J'y crois pas une seconde.
Ah oui, j'ai aligné les deux mecs. Ah, j'en reviens pas. Ah bah elle est bonne celle-là. Eh ben. Normalement il y a un poste tout proche, mais je le vois même pas. Là-bas, derrière les rochers. Ah, j'allais dire, il n'y avait pas qu'un mec. C'est vrai que ici, j'ai souvenir qu'ils n'avaient pas grand chose. À part de la bouffe, c'est déjà ça. Oserais-je dire, c'est l'essentiel, mais. Passer la bouffe, bof, bof. Bon, ils ont un énorme réservoir d'essence sur le quai pour les navires. Mais ça veut pas dire pour autant que. Hein, bon. Allez, on va aller direction l'armurerie qui est là-bas tout au loin. On est d'accord que je peux pas y aller en navire. On est d'accord. Ouais, non, même à la rivière, ça vaut pas le coup. Il n'y a qu'une bagnole qui pourra me sauver. On va y aller en bagnole. Oula, sur quoi ils ont roulé eux? Ah oui, tiens, il y a le groupe avec trois jeunes qui tournent. J'avais pas fait gaffe qu'il y ait la lumière en plein jour. Non, attends, je prends pas la bonne direction moi. Je suis fou, faut que j'aille. Mais oui, je suis ma boule moi. Faut que j'aille direction la jungle. Enfin, si on peut appeler ça la jungle. Et il faut que je m'enfonce droit dans les terres, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va y trouver du diamant? Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Qui est une boule de mystère? On va y avoir de la populace là où je vais. Je vais faire sauvegarder maintenant parce que j'aurai avoir un comité d'accueil. Mais pas de cailloux. Bonjour messieurs dames. La route était sur la droite. Attends, à quoi faut que j'aille où hein? Pas évident. Après, faut que j'aille par là. Ouais, puis je. Je gère bien les intersections. Et puis elle est planquée cette armurerie, je voudrais pas dire, mais ah, c'est mieux là, c'est la première. Oh, j'ai eu chaud. J'ai pas pris la bonne direction. Non merde, j'ai carrément l'arme qui m'a pété dans les mains. Qu'est-ce que tu veux?
Gros point d'interrogation. Je peine à croire que je tire à tout le monde. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, pour le coup. Ah oui, là c'est sûr, il est mort. Comment je l'ai ramené au véhicule, le gars? La bonne blague. Je pensais qu'il y avait du matos même sur le côté, mais non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Mais ça en reste pas moins une armurerie. Ah! Alors les flingues. Les flingues. Allez, on va changer. Oh là là, ça fait plaisir. Ouïouïouï. Ouais, un bon fusil. Un vrai de vrai. Ah, où je peux prendre un pistolet mitrailleur silencieux. Merci pour les clips, fan. Je vais prendre le pistolet mitrailleur qui est silencieux. Ça a son style. Ah, oh, puis ça, c'est la violence. Non, je pensais... Attends, je peux pas prendre le truc au-dessus? L'arme, elle est tellement haute que... Ah non, faut que je fasse comme ça pour la... D'accord. Si tu veux. Ouais, voilà. L'essentiel, c'est que j'y retrouve mon compte. Alors, petite piqûre, santé. Je vais trouver une trousse à pharmacie dans l'armurerie. L'armurier, pas de retour. Hop là, voilà. Marché des armes, j'y crois pas trop. Parce que il faut que je continue l'aventure principale pour déverrouiller les, vous voyez, ce qui est cadenassé. Donc l'équipement, oui, non, j'ai déjà tout. Hein. À chaque fois, je refais le même constat. Alors, je m'assure d'avoir fait sauter tous les cadenas de la zone sud de l'Afrique, là. Enfin, du pays africain concis. Le mec, il fait tout l'Afrique. Le gars, il est fou. je m'assure d'avoir fait sauter tous les cadenas et je repasse au scénario principal. Qu'est-ce que je fais? Je libère encore un ou deux postes avant de passer à un autre jeu. Ouais, je sais pas, ça fait à peine une grosse heure que je suis sur Far Cry, je crois. Allez, je vais prendre une Jeep tout confort. Ça me changera des versions guerrières. J'échange ma mitrailleuse contre un siège conduite matelassé. Pas désagréable, hein. Il faut aussi s'offrir du confort qu'on peut se faire ce luxe, même en période de guerre. Que je ne me perde pas. C'est pas du tout évident de pas se perdre. Donc je reprenne littéralement le même chemin que j'ai pris. Ouais, c'est par là. Je vais suivre le relief et cette montagne de là. Alors, j'ai un soupçon avec la Jeep Confort d'avoir un léger bonus de vitesse de pointe légèrement supérieur à la Jeep armée d'une mitrailleuse. Oh là, dans cette... Ouais, là je suis plus donné. Attends, le temps qu'ils fassent leur demi-cul, je calme. Allez, boum. C'est scandaleux. J'aurais dû remporter cette confrontation. Hein? Je conteste. Voilà le fond de ma pensée. Je conteste.
Ah non, j'aurais dû le tenir, mais tiens, je vais peut-être le poteau. Ou alors je passe par le pont. Ouais, je peux passer par le pont aussi. Ouah, j'ai failli renverser le véhicule. Bonjour, monsieur dame. Ah, ah, je vous ai vu, bande de savoir. Ah, deux bagnoles, j'ai entendu deux prises de contact au niveau du moteur. Je dis ça là et je déploie. Oh les cons. Ils sont où les autres? Bah, où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas. Ils sont où les mecs? Ils sont repartis? Non. Ah, ils sont coincés là. Ces bandes d'idiots. Merde, j'arrive pas à les respecter. Là, je crois que c'est foutu pour eux. Ah. C'est dommage, je n'ai plus de grenades du coup. Mais ce fut efficace. Ah. Oh non. Et j'ai plus de cocktail motif non plus. Il y a tout qui crame. Oh, il n'y a pas du diamant par ici. J'allais dire, ça m'étonne parce que vu l'endroit, on aurait pu croire. Bon, bah j'ai tout donné. Je les ai tous su. Oh, il n'y a pas un loustique qui avait une grenade sur lui. Non, faut que je fasse gaffe parce que ça flambe encore. Ils sont où les guignols? Oh, il est pas mort le mec. Incroyable, mais... Oh, les flammes m'ont eu. Non. Là aussi, je refuse d'y croire. Là. Bah, il y avait un véhicule là. Oui, il y avait un véhicule. Ah bah non, mon véhicule qui va flamber là si les flammes. Allez, c'est cadeau. Et l'autre, il est où? Bon, il me reste deux molotovs. C'est déjà un constat meilleur que précédemment. Mais, j'ai plus de grenades. Les mecs, visiblement, sont pas équipés de ça. Ils ont pas la chance d'avoir des grenades. Ah, c'est lui qui a pété, oui, tu mets... Oui, ah oui, il y a un peu le feu à la cambrousse, là. Un tout petit peu. Je vais peut-être me barrer, d'ailleurs, parce que là, ça sent le roussi, on peut le dire. Oh, il n'y a pas de diamant là-dedans. Oh, je te laisserai happer par le paysage. Oh, ouais. Salopard. On va péter le feu aussi, toi. Il y avait peut-être des grenades, également, à vérifier. Je n'exclus rien. Oh non, ma belle Jeep, elle va prendre feu. Vite, démarre. Attends, je vais me garer plus loin, là. Bougie pas ma Jeep. Attends, le mec, comment il s'est glissé sur la plage arrière.
trop bien. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, grenade ou pas grenade? Ah, non. Ça joue les cowboys, c'est même pas utilisé. Encore? Mais d'où il sort, lui? Mais... il sort d'où, le mec? Il était acculé par le l'incendie qu'il y avait au niveau du des deux arbres et de la bagnole qui a explosé, ou c'est moi? C'est incroyable! J'avais espoir également que la grenade soit lancée au bon moment où la bagnole passe, mais... Donc, mon assaut à la grenade est pas le bon. C'est au lance-flamme que je vais gagner dans la durée. D'ailleurs, je peux peut-être déjà les allumer à revers, du coup. Arrêtez. Non, mais le véhicule il va péter, là c'est sûr. Ouais. Attends, je sais pas si je peux le réparer. Là, je récupère ma grenade. Ça, c'est apprécié, vous voyez. Bon, là aussi, j'ai à réparer. Il y en a du monde. Il y en a du peuple. J'ai pas le droit, il veut pas. Salopard. Oh bah du coup ça va exploser à nouveau. Non. Ah, je peux voir. Mon dieu, il a une tête là-bas. Ouais. C'est bon, leur compte est bon. Je peux reprendre mon épopée. Je finirai par avoir à émettre des doutes, vous voyez. Vu ce boxon. Personne, personne, hein. Alors, la suite, c'était par où? Bah, elle est complètement pétée. Bon, il y a un groupe électrogène. Bizarre autant qu'étrange, pourrait-on dire. Voilà. On change de véhicule pour semer le doute. Au niveau de possible poursuivant, faisons ça comme un vrai professionnel.
Bonjour, monsieur, dame. Alors, regarde où tu roules. Qu'est-ce qu'il veut? Finis, Sway. Éliminez-le. Tiens, je pense que c'est un vrai fun, je pense que c'est technique. Je pense que je les ai. Ah, il y en a encore, merde. Oh, mon véhicule. J'étais tout confort, moi, avec cette Jeep. Il est où, le salopard? Il en reste un, je le sais. Ou alors, il a agonisé, le gars. Non, là, c'est des cailloux. Là, ça fond tout chaud. Merde, la Jeep qui va flamber pour de bon. Je vais pas pouvoir la récupérer, je vais être dégoûté. Et il reste pas de véhicule. Oh. Archi dégoûté. Si seulement je pouvais manœuvrer. Mais là, mon véhicule est littéralement encastré. Ça a fait sauter le toit, dis donc, de la caisse bas. Il n'y a plus de toit. On peut bronzer tout d'un coup, c'est fou. C'est aussi l'un des charmes de l'Afrique. Oh mon dieu. Non, j'ai plus de véhicule. L'assaut fut tellement violent. Il n'y a pas une patrouille mobile là, qui pourrait me livrer. Ce serait apprécié dans le geste. Oh là 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 là, parce qu'attends, il faut que je fasse le tour du... Ou alors, remonter jusqu'à la ville et faire du bus, c'est presque plus passionnant. Mosaté, c'est là-haut. Attirer quelqu'un en... Ah bah non, j'ai un navire que je suis bête. Ne me dis pas que voyez le mec avec ses mortiers. Bonjour Edge. Oui, c'est peut-être aussi parce que je te suis pas, Edge. C'est vrai que je suis ta chaîne, Edge. Mais c'est gentil, merci, j'espère que tu vas bien. À la fin de ma journée de jeu, là, je vais pas tarder à basculer sur le flat out. Et il faut que je suive ta chaîne avant de me déconnecter du tout. Que j'oublie pas. Une promesse est une promesse. Alors attends. Oh vache. Alors attends, il y a un fleuve. Oh, quelque chose me dit qu'il va y avoir du diamant. Oh, c'est marrant, l'arrêt-bus, on dirait qu'il est proche du quai maritime. Je vais pouvoir faire une correspondance bateau-bus. Qui aurait pu? Pas de diamant. Personne à quai? Ah, diamant annoncé. Vraiment personne à quai. Nous sommes en terrain neutre. Je suis prêt à le croire. Hein. Ça me surprend un peu, mais je suis prêt à le croire. Oui, alors les escaliers, dis donc, il n'y en a pas 50 sur le quai. Ok, je peux aller me doucher pour monter. Alors, les gars, ils auraient fait un aménagement intelligent. Ils auraient quand même disposé poliment de quelques panonceaux de flèches en disant c'est par là. Parce que là, je viens de faire bêtement le tour du quai. Il y a du diamant dans le coin.
Ouais, local des bus. Attends, y a rien au-dessus. Tiens, moi, où ça? Là-bas? Conteneur rouge. Il y a un conteneur rouge qui contient un truc. Dessus ou dedans? Ça a l'air d'être dedans. Ah, derrière les caisses. Ah non, dans les caisses, carrément. Oh le bordel. Eh, deux petits diamants, c'est sympa. Il y en a un, deux ou trois par mallette. Et là, d'en avoir deux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je veux bien des munitions. Ouais, mais pas dans un arrêt de bus. Ah non, j'ai rien dit. J'étais mauvais parleur. Dans un arrêt de bus, il y a des munitions. On voit que nous sommes en guerre. Alors, quelle destination? Oui, je vais aller là-bas. Ouais. C'est la zone que j'ai pas faite. Et il faudra que je remonte vers le nord. Mais on fera pas tout aujourd'hui. Hein. Je vais m'arrêter dans... Je joue encore gros maximum une demi-heure. Jusqu'à 16h30 à Far Cry 2. Avant de basculer à Flat Out 2 jusqu'à 18h. Je vous abandonnerai. Demain, je ne fais rien. Demain, je ne diffuse pas. Normalement, je devrais faire une promenade avec Nayonet, mais ça s'annonce mal parce que la météo est encore changeante et ils annoncent et de la flotte et de l'orage, donc ça craint. Je referai le point en soirée avec Nayonet, mais je pense qu'on va reporter à la semaine prochaine la promenade. C'est pas perdu, c'est juste que c'est reporté. Alors attendez, ah bah. La bonne blague. Il y a un camp à libérer juste à côté. Là où il y a de la fumée. Mais alors pour l'atteindre, vas-y toi. Attends. L'entrée doit être à l'opposé. Vu le relief, à mon avis, il faut carapater par là-bas. Et l'entrée, elle est là. Eh oui, ça se voit. Pourquoi j'entends des tirs de mitraille? Ils se défendent contre qui? Oh merde. Il y a quelqu'un. Merde, mon arme me trahit. Chut. Allez, soigne-toi, bordeloum. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais non, mais non. Oh, j'ai gagné. Je me précipite dans la baraque, je revendique la victoire. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est bien, je suis content. J'aurais bien joué. C'est cool. C'est cool, Raoul. Allez, je vais sauvegarder cette... Alors, le prochain jeu se fait à la manette et non au clavier. La manette est à côté de moi, ce qui m'arrange bien. Donc, vous allez voir ma tronche en gros. Vous m'avez accompagné ce matin dans Starbound. Part dans du Devour. Il est parti dans du Devour. Il va tout dévorer. Bon, je vous avouerai que je ne connais pas ce jeu.